le McLouis Memphis 1. Donc un petit van McLouis de 5m41. Donc à l'entrée, on a un réfrigérateur avec deux ouvertures, enfin ouverture de chaque côté. Donc un réfrigérateur à compression, donc petit décor grisé, blanc. Alors une table standard avec une extension qui tourne, une assise assez confortable. Bon, par contre les attaches de table, je ne sais pas si c'est normal, mais ici les tables elles bougent beaucoup. Hein. Au-dessus de la cabine, ils ont laissé un rangement, donc c'est pas mal hein, pour ceux qui ont des choses à ranger, ils apprécieront. Ici le porteur, c'est un porteur Fiat. Et donc au-dessus du salon, rangement évidemment comme partout. Hein. Ici il est cloisonné, il y a une petite baguette qui cloisonne. Rangement peut-être ici aussi en dessous, un petit peu, parce qu'il doit y avoir du technique. La cuisine totalement standard, hein. Deux feux, petit évier, il n'y a pas de rallonge parce que ici il y a le réfrigérateur. Au-dessus de la cuisine, un petit rangement. Il y a des rangements similaires au-dessus du lit. Par contre, ce qui est bien ici, hein, c'est que les rangements au niveau du pied sont plus grands. Donc on peut mettre plus de choses. Là, il y a des vérins qui tiennent. Donc c'est trois charnières et deux vérins, là, c'est pas mal. Donc ça, c'est la micro-penderie apparemment. Et on peut ici enlever le plancher pour mettre des choses longues. Alors, la chambre, c'est un lit transversal sur soute. Alors, il est de taille raisonnable aux épaules sur un véhicule de 5m41. Par contre, évidemment, il est biseauté au pied. Hein. Le matelas est sympa, là. Je ne sais pas si c'est un matelas d'origine. C'est assez sympa. Donc cuisine totalement standard. Hein. Et pour finir la visite, les bains et le bagno. Donc petite porte blanche. Alors sur un véhicule de cette taille, évidemment, faut pas rêver, c'est microscopique. Système pour rideau. Donc un rideau qui fait tout le tour de la petite cabine. Il y a une évacuation ici. Une lampe, un rangement ici un peu dur là, il y a quand même une charnière que deux pourtant, mais ça claque, oh là ça claque. Et ici le lavabo rétractable, donc ça c'est pas mal hein. Par contre ça claque aussi, il n'y a pas de frein hein. Et si on teste les toilettes en fermant la porte, on a la place, là, il n'y a pas trop de problème. Hein. C'est plus pour la douche, mais c'est un petit peu problématique. Bon, ça serait tout à fait supportable s'il n'y avait pas de rideau de douche. Là, ici, le rideau de douche, c'est moyen. Bon, et on finit avec ici un miroir pour se regarder. Et puis ici, un petit espace où on peut mettre des choses dans la paroi. Il y a une ouverture aussi ici, donc ça, c'est pas mal. Hein. Ouverture là et aération ici. Donc voilà pour ce véhicule McLouis Memphis 1.